Bien, bien, d'accord. Vendredi, dernier jour de maintenance. Je suis ravi et j'ai peur à la fois. Parce que la dernière fois, quand elle était en train d'expliquer, je suivais pas. J'étais keblo pendant qu'il expliquait. En fait, un jour, quelqu'un m'a fait, et c'est une question qu'on me pose très souvent, et la personne m'a fait, mais mec, pourquoi tu n'arrêtes-tu donc pas de courir? Je lui ai répondu tout bonnement, ben c'est que je ne suis pas encore arrivé. Si je cours tout le temps, ben c'est parce que je ne suis pas encore arrivé. Un mec qui arrête de courir, c'est parce qu'il a atteint la ligne d'arrivée, quoi. Mais moi, je peux pas m'arrêter de courir parce que j'ai pas encore atteint la ligne d'arrivée. Yo, man, on est dans la même place. Bien ou quoi? Non. Tranquille? Non. Ben, tu as fait l'exo du... Vous n'aimerez jamais ce qui vient de se passer. On vient de valider notre premier module. Avec Sanya. Avec Sanya, c'est fini, man. Tu l'avais validé. Tu l'avais validé. Enfin, ouais, Sanya, dans 10 mois encore. Mais voilà. Non, un an. J'ai décidé de me tirer, ça fait 30 minutes que j'attends. Enfin, je suis allé prendre le 2. Je suis allé prendre le 2 en fait pour pouvoir aller vite pour Giba. J'ai décidé d'aller à Supimax, je ne connaissais pas Supimax. Go à mon école, demander Supimax. Ils m'ont dit maintenant, ce que je dois faire, c'est prendre un bus. J'ai attendu le 2, ça fait 30 minutes que j'attends le 2. Le 2 il vient pas. Je ne peux pas attendre le gain. Donc, je mets en route, je trouve un autre moyen. Bah, j'espère pour Giba, je suis décidé d'aller à Supimax. C'est le divertissement de la journée. Je sais pas comment je peux appeler ça. Il a niqué le pare-brise du mec. Il a pris le caillou et le mec lui a fait, qu'est-ce que tu fous? Il fait, je vais te niquer ton pare-brise. Mais avant que le mec termine, il a niqué son pare-brise. Et quand on lui a demandé pourquoi il fout des ailes, il a fait qu'il a des droits et qu'il pourra être président ensuite après. Visiblement, ils sont repassés les agents de la mairie de Dakar. Je les ai dépassés, je savais même pas quoi faire. J'avais l'impression que c'était des bandits ou des quelque chose comme ça. Les mecs, ils étaient genre en full cagoule et ils avaient des bras comme ça, ma vie. C'est pas que j'avais peur, c'est que je savais pas qu'est-ce qui se passait en fait. Je voyais des mecs avec des cailloux, moi je cherchais les keufs. Oh, c'était eux les keufs, les mecs avec les cailloux. Je suis tombé dans ce qu'on appelle littéralement l'embuscade du vendredi. Complète, je ne savais même pas que le bus il passait par là, il passe devant une mosquée. Là on est vendredi aujourd'hui donc déjà il prie. C'est une chose tout à fait normale à Dakar. Quand vendredi les gens ils prient, on sort du cet attendre qui permet. De toute façon moi ça ne me dérange pas. Si je suis en retard, j'attends. On verra.
Thank you. Et j'y suis. Voilà, faut pas dire. Au moins 2 heures, disons, et au moins 30 minutes, mais c'est juste ce que je voulais. J'ai demandé, on m'a expliqué comment ça se passe. C'est pas que les gens ils ont le droit de venir et truquer. Ils font des formations chaque mois et il y a 9 personnes qui peuvent participer. 9 ou 10 personnes. Voilà quoi, je peux venir lundi et je vais passer lundi. Ok, merci. Lundi après mon cours de mairie. Je me ramène et... Allez, on... voilà, je vais essayer d'aller voir Aimé. Je sais, je traîne trop. Je vais essayer d'aller voir Aimé avant d'aller chez Jim parce qu'à 17h j'ai le mariage. Arrivé chez Aimé, 2 mois. Tirez, poussez, tirez, poussez. Techniquement, je fais une pause. Hey. Ouais, je vais même déposer mon sac vite fait en fait, histoire de ne pas être lourd. Et on va voir s'il est là. Il est là, on l'a trouvé finalement. Salut mec. Bien ou quoi? Tranquille. Ah, tranquille, cool, ça fait longtemps. Tu fais quoi là? Bah là je vlog, c'est une vidéo qui va passer sur YouTube. Ah, sur YouTube. Bah ouais. Sinon tranquille. Au calme, guys. Ah, vite fait, tu fais un truc de boss quoi. Ouais, lui et lui c'est mon frère. Ah ouais, tu m'as trouvé au job là, vite fait. Ouais, carrément. À partout dans la ville, on aime bosser, tu vois. On est des bosseurs là. Bien sûr. On bosse un peu. Effectivement, vois, ouais. Parce que ça fait partie de nous. Allez, je vous montre. Là, je suis sur un de mes points de vente. J'ai par exemple 2 à 3 points de vente que je supervise et tout. Donc, je fais la gestion à quoi, du pétrole. De la boutique là, on va à la boutique vite fait, right. On va faire un crochet et tout, vous allez voir. Vas-y, vas-y. Ouais. Allez, big up. Bienvenue dans la boutique. Bye bye.